épisode numéro 38. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça se passe super bien. Ça charbonne, comme on dit dans le jargon. On recherche plein de nouvelles opportunités d'affaires. Et justement, j'aimerais qu'on parle de ce thème aujourd'hui. Il y a un débat qui est interminable depuis quelques années. C'est le rôle et la fonction d'un SDR au sein d'une équipe commerciale. Ça, c'est la première question. Quel est aujourd'hui le rôle d'un SDR? Deuxièmement, on se pose souvent la question, le SDR doit-il rendre compte au directeur marketing ou au directeur commercial? Avant de commencer, pour toutes les personnes qui ne le savent pas, un SDR, c'est un Sales Representative, un Sales Development Representative. Et dans les structures d'équipe commerciale, on retrouve souvent ces SDR qui sont un peu des jeunes slash stagiaires, on peut le dire clairement, qu'on envoie en première ligne pour faire du cold calling, cold email, qualifier les leads et les leads qualifiés, les SDR book des rendez-vous pour les accounts exécutifs ou BDR, Business Development Representative, qui eux ont pour rôle de closer les leads. Alors, clairement, la fonction de SDR est remise en cause aujourd'hui parce que le consommateur a complètement changé ses habitudes. Aujourd'hui, avec Internet, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, on recherche les informations sur les services slash produits qui nous intéressent. On se qualifie de manière automatique sur leur site internet. Et pour certains produits, on achète sans même avoir discuté ou interagi avec un commercial. Ça, c'est un peu le happy flow d'aujourd'hui. Dans la réalité, il y a certains produits qui nous permettent de nous qualifier, mais qui requièrent clairement une conversation avec un commercial pour pouvoir nous aider à se décider. Et ça, c'est généralement pour des produits qui ont un long cycle de vente. Les produits avec un court cycle de vente, aujourd'hui, n'ont plus besoin, ne nécessitent plus réellement d'interaction avec un commercial. Et donc, cette fonction de SDR est complètement remise en cause. Et donc, la structure des équipes commerciales est aussi complètement remis en cause. Je répète, pour vous, quel est aujourd'hui le rôle, la fonction d'un SDR? Quelles sont ses tâches? Alors moi, au sein des entreprises où j'ai pu évoluer, je suis souvent tombé sur ce modèle de structure commerciale avec des SDR et des BDR, et même SDR, BDR, Account Executive. Et au sein des structures où j'ai évolué, mon rôle était d'implémenter l'inbound marketing slash growth marketing. Et donc, de créer cet alignement marketing-vente, mais surtout, la génération de leads, à savoir comment est-ce que la fonction marketing peut
aider à générer des leads, mais surtout à qualifier les leads pour pouvoir arriver à un niveau de qualification MQL, Marketing Qualified Lead. Et donc, au sein de ces structures, le rôle du marketing était de créer de l'awareness, de la considération, et les leads étaient envoyés automatiquement au SDR, qui, eux, à leur tour, vérifiaient s'ils étaient qualifiés pour la vente ou pas. Et à cette étape, ben, certains SDR closaient les plus petits clients et les plus gros comptes, plus complexes, ils les envoyaient au BDR. Et à côté de ça, on avait des account exécutifs qui avaient un peu pour rôle d'aller closer les grands comptes. Je me posais vraiment la question, à chaque fois que j'évoluais dans ces structures, je me posais vraiment la question de quel est réellement l'intérêt d'avoir, ben d'avoir des SDR, tout simplement. J'avais un peu l'impression que les SDR étaient un peu sur une fonction marketing, vente, un peu le cul entre deux chaises. Et c'était exactement ça. C'était pas une mauvaise impression, c'était une réalité. Puisqu'on se pose vraiment à un moment donné la question, est-ce que le SDR doit rendre compte à mon département? Pour moi, c'était marketing. Puisqu'au fait, il est là, son rôle est de qualifier les leads. Ou il doit peut-être rendre compte au directeur commercial. Il y avait une confusion. Une vraie confusion. Et je pense que cette confusion, elle est encore plus accentuée pour des entreprises qui gardent cette structure SDR, BDR, account executive, mais qui ont, par exemple, un produit qui est un business model freemium avec une gratuité et des features qui sont premium, payantes. Ok, quand on a ce business model, je me pose vraiment la question, à quoi sert un SDR? Parce que c'est un peu un business model SaaS. Et aujourd'hui, je pense que quand on a un SaaS, le vrai enjeu, c'est le self-onboarding. Et donc, avoir un produit qui nous permet de faire du self-onboarding, quand on a ça, à quoi sert le SDR? Et en fouinant un peu sur Internet, je suis tombé sur un article de blog et un podcast, je pense, c'est Chris Walker, qui parlait justement de cette question, quelle est aujourd'hui l'utilité d'avoir un SDR ou pas. Et il a répondu à cette question en disant quelque chose qui est très fort, c'est qu'on se pose la mauvaise question. La vraie question à se poser, c'est aujourd'hui, quelles sont les tâches qu'un SDR doit accomplir? Et quand on aura compris les tâches que le SDR doit accomplir, on pourra répondre à toutes les questions. Et surtout à la question, à qui doit rendre compte le SDR, doit-il rendre compte au directeur commercial ou au directeur marketing? Donc voilà, c'était un peu le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne semaine. En tout cas, de mon côté, j'essaie de garder la pêche. C'est très important. Il y a plein de choses qui peuvent nous déstabiliser, mais le plus important, c'est de garder
la pêche. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.